4 receveurs du côté droit, un gauche en arrière, c'est Benny Jock. Rock, 5 buts quart, enregistré par Garwin Ziklerville. Et comme on l'a mentionné, on s'est terminé à 5. C'est Archambault qui va venir se placer du côté gauche, un rebelle numéro 41 ici. Ça mène et là, ça provoque des situations 1 contre 1 et il y a un joueur du Verrier qui semble s'être blessé là-dessus, Bruno-Pierre Doyon. Le joueur de centre? Oui, on voit ici, regarde. Il faut dire un petit merci à Archambault. 32. La remise à Benny Jock. Elle a été immédiatement à la ligne d'engagement. Oui, on s'est amené rapidement pour faire le jeu. Bien joué. C'est Carlin Duclerville. Il est parti de droite à gauche. Il arrive bien le numéro 98. Ça sert bien de ses mains. Il a réussi un bon plaqué. À gauche. Rumira qui passe voilée. À David Dumagoulet qui sortait du champ arrière et qui va revenir où on était avant la pénalité, ou presque. Ouais. Belle exécution de jeu ici. On se faufile bien. Et là, Archambault lui ralentit la course. Ça permet à Beaulieu de lui faire le plaqué. La pression est forte, la passe décochée. Presque interceptée et là-dessus. On voit ici se faire frapper seulement par Garlin Duclerville. Pas l'air à le déranger. Et là, regarde le ballon qui arrive et... Bruno, il y a... Benny Jock au champ arrière, deux receveurs de passe, la remise à Jock. Droit devant lui, frappe un mur! Ça s'est formé rapidement. Garlin Duclerville était en... en plein centre de l'action. On voit le jeu ici. On veut revenir, mais là, trop de gilets bleus. Voilà, ligne de mêlée, on donne le ballon profondément à Benny Jock. La remise à Benny Jock, droit devant lui. On va aller chercher Fred Séverge.